gueule des puces. Le Saint-Ouen, c'est... comment dire... magique. Ça, c'est le concept même de ce festival, à savoir que ça s'appelle la tournée des bars. La tournée des bars, ça veut effectivement dire qu'à l'époque, les artistes faisaient la même chose. Cette espèce de parcours initiatique de la tournée des bars n'est absolument pas révélé au public. Et c'est en cela qu'on ne laisse pas l'oubli vaincre la mémoire. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Un métissage entre les gens du voyage, qui sont là depuis très très longtemps, et puis les bougnats, les accordéonistes et les chanteuses de rue. Et toute cette faune s'est croisée, s'est rencontrée et a décidé de croiser le fer musical. Et c'est ainsi qu'est né le festival Jazz Musette des Puces. C'est une musique qui doit exister, c'est un style tout à fait, et qui en plus est à la mode. Arrêtez la musique. Ce festival, il a quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est magnifique, hein, de pouvoir organiser un gros festival comme ça, et c'est super. Ah, mais je suis très heureux avec mon camarade sans papier, Stéphane Sansori Benocchi. On est très content d'avoir un plat chaud. D'avoir un plat chaud aujourd'hui et un petit verre de vin. Ouais, voilà, au Festival des Puces. Pour vous dire merci, le Festival des Puces de Montreuil. Voilà. Parce que vraiment, on est ravis de jouer Porte de Bagnolet. Tous les ans, on revient avec Marie.